Salut à toutes et tous mes petits bits, comment ça va, ici Psyon21 pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur League of Games. Voici la boutique du mondial, donc les offres expirent dans 2 jours, génial, j'ai juste le temps de les ouvrir. Donc pour tous ceux qui ne le savent pas ou qui n'ont pas vu ma vidéo vlog, j'étais vraiment très absent durant ces 3 derniers mois sur League of Legends. J'ai pas fait énormément de missions ni quoi que ce soit. J'ai à peine commencé les premières missions avec le bazar de Teemo là, et le combat contre la lumière et les ténèbres, mais approximativement c'est tout ce que j'ai fait. Du coup, on va tout simplement ouvrir cette boutique. Il y aura peut-être des choses qui sont intéressantes, mais oui, ça je kiffe, oui, ça je kiffe. 30% sur la... alors, c'est la Project Fiora. Alors, ça, franchement, si j'ai les RP pour, je me les achète tout direct. Franchement, là, il n'y a pas à hésiter. Fiora, c'est un des nouveaux personnages que j'ai joué. D'ailleurs, dans ma collection... Fiora, et je les maîtrise 4, je suis en train de la train vraiment beaucoup. Et au niveau des skins, j'ai le skin, voilà, celui-là. J'ai Fiora Starlet des plages. Franchement, je la trouve vraiment cool. La seconde ouverture, et Echo Project, quoi ? Deux Project, 40% Echo. Surtout que j'ai pas encore de skin sur Echo, donc ce serait juste trop énorme. C'est quoi cette ouverture de fou? Ah oui, et du coup, Echo Project, je voulais pas montrer, mais il ressemble à ça. Il est juste trop stylé. Si j'avais un skin à prendre de Echo, c'est bien celui-là. Oh, Riot me fait vraiment trop plaisir. Je dépense trop de sous. C'est pas grave. Ezreal Arcade, c'est encore un nouveau. C'est un skin que j'aime un peu moins. Petit is Ezreal Arcane, skin épique. Skin épique et skin épique. Putain, je vais avoir full skin épique ou comment ça se passe? Ah, Roi Tryndamer, c'est un champion que j'ai, que j'aime pas mal jouer. D'ailleurs, j'ai encore fait une game avec lui. La dernière que j'ai faite, c'était avec lui. Moins 60% sur le Roi Tryndamer, mais comme j'ai le Tryndamer possédé, ce skin ne m'intéresse pas du tout. Après, voilà. Il est... Enfin ouais, ça va, il est stylé quand même. Mais j'ai déjà eu 3 épiques. Oh, voilà, encore un épique. Mais qu'est-ce qui se passe? Xayah du crépuscule cosmique. What? Moins 60%. Allez, un skin à 1350 qui me coûte plus que 540. Xayah, et d'ailleurs, j'ai le skin de Rakan. Je l'ai débloqué dans la boutique Extech. J'étais vraiment étonné. Genre au tout début, je le débloque et tout ça. J'étais vraiment trop heureux. On va ouvrir le dernier pack. Tout simplement, et c'est Jack SKT T1 que j'ai déjà débloqué 2 fois dans la boutique Extech et qui ne m'intéresse absolument pas. Mais du coup, hop, j'ai 3 skins épiques quand même. Skin épique, skin épique, skin épique, skin épique. Mon dieu. Bon, alors Fiora, à mon avis, je vais pas la prendre parce que j'ai déjà un skin dessus et que j'ai que moins 30%. Donc, c'est vraiment la réduction que j'ai le moins. Je pense partir sur le petit écho. Ouais, je pense que je vais prendre le écho. Je ne sais pas encore si je vais l'acheter ou pas, si j'aurai les sous pour ou non. Je vais voir dans mes butins si j'ai pas quelque chose à ouvrir. Et du coup, j'ai quelque chose à ouvrir. Qu'est-ce que c'est ? Capsule d'honneur, une capsule contenant des fragments de clés, des fragments de champions et des skins disponibles exclusivement via l'honneur. Ne nécessite aucune clé. Oh, nice! Oh, c'est stylé! Ouverture! Ok. Ajouter au butin. Un fragment de clé. Ah! Donc j'ai 2 fragments de clé. Il m'en faut un 3e, ok, pas de soucis. Sinon, en termes de skins, j'ai également Project Z. Dans mes skins, malheureusement, je joue pas. Et j'ai aussi Vegar Boss de fin, qui était vraiment, vraiment stylé. Donc voilà, je vous ai fait une petite ouverture au calme, tranquille, pour reprendre tranquillement les vidéos de la chaîne. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Prenez soin de vous, mes petits 8, et à la prochaine. Peace.